Ami du jour, bonjour. Ami du soir, bonsoir. En un mot, bonjour. Évidemment, évidemment, forcément, forcément. Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi soir. Hein, il est 21h35 et nous allons bientôt partir pour DuckTales Remastered. Les issues de secours se trouvent à l'avant, à l'arrière, sur les côtés de l'appareil, à peu près partout où vous pouvez. Voilà, s'il y a un problème, sautez. Voilà, sautez. Vous réfléchissez pas, vous déconnectez tout, vous sautez. Voilà. Ça va bien se passer. Ok? On a quoi? On a commencé. Je sais plus quand je l'ai commencé le jeu, tiens. Je l'ai commencé il y a quoi? Il y a 10 jours? Ou peut-être le week-end dernier? Ou celui d'avant? Merde, je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, on a commencé il y a pas longtemps, comme ça, un peu au pif. Et ben il était cool. J'en ai un peu chié au début. Et puis après, ça allait mieux. Quand on se concentre dessus, en fait, ça va beaucoup mieux. Genre vraiment. Donc du coup, ben, on va essayer de se concentrer aussi ce soir, hein, parce que c'est mieux. Normalement, on devrait le terminer. Il est fort probable, il est très très fort probable qu'on le termine ce soir. Donc voilà, en tout cas j'espère, hein, bon, parce que je pense pas qu'il faille des plombes et des plombes pour le terminer celui-là, hein. A priori il est pas très très compliqué non plus. Hein, ça reste un jeunesse à la base, hein, donc bon forcément les jeux sont pas, enfin, comment dire, ils nous paraissaient longs. Nous paraissait long quand on était petit parce qu'on en chiait comme des ramus, comme des raclures, quoi. Hein? D'autant que des fois il y avait des jeux où il n'y avait pas de sauvegarde, rappelez-vous. Donc si tu mourais, si tu faisais game over, fallait tout recommencer depuis le début. Alors je sais pas si DuckTales était de cela, je pense pas. Mais bon, voilà, enfin, toujours est-il qu'il y avait des jeux qui nous paraissaient incroyablement longs parce qu'on mettait des jours à les finir parce qu'ils étaient incroyablement durs. Comme ma partie, voilà, ma partie qui va bien, hein, tout va bien. Bah écoutez, sans plus tarder, je vous propose de lancer le jeu. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Et puis, ouh. Tiens, salut, Purple Griff. Bienvenue. Ça fait bizarre de me voir en vrai. Ouais, moi aussi, quand je me regarde dans les miroirs tous les jours, je... Oh putain! Ah, tu te calmes, le jeu, c'est trop fort dans mes oreilles, beaucoup trop. Ouais, alors tu t'attendais à ça ou pas? Un grand barbu, chevelu, encore, on les voit pas les cheveux, mais il y a les cheveux aussi qui vont avec. Voilà. Alors c'est peut-être mieux si je change de scène. Voilà. Non, chut, tu te calmes. Che Guevara. Eh, ah, chut. Allez, ah, voilà. Là, c'est bon, c'est affiché. Et bah sois bienvenue sur ce stream du coup, hein. Et puis merci à Frankie de t'avoir amené ici. Frankie c'est mon rabatteur officiel, hein, sachez-le. Voilà, Frankie Figs. C'est le poteau, c'est le copain streamer. Je te voyais tout en produits laitiers. Ouais non, les produits laitiers... Je sais apparemment à une époque ça produisait des sensations pures, mais non, je suis pas. Frankie's good, Frankie's powerful. Eh non, mais on aime notre Frankie, franchement. Franchement. Ah bah ouais. Mais bon, du coup. Normalement, ouais, le son, ça devrait aller. Alors, j'en étais où? J'avais pas mal avancé. Il me semble que le coffre était pas mal rempli. La dernière fois, j'avais fait 3 niveaux. Voilà, c'est ça. J'avais bouclé l'Amazone, la Transylvanie, les mines africaines. Donc, logiquement, il reste plus que l'Himalaya et la Lune. Donc, bah, on va faire ça dans l'ordre, hein, parce qu'on est là pour ça. Pack my parka, Duckworth. We're headed for the Himalayas. For the lost crown of Genghis Khan. Shall I fall? Genghis Khan, rien que ça. Marmots. Oh, not this time, Libby, darling.
Prendre soin des garçons, bah voyons. Uncle Scrooge. Oui, Flagada Jones, c'est pas forcément le mec le plus efficace, quoi. Et en même temps, il a ses moments de gloire. Il a ses moments de gloire. Launchpad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Pas dans la montagne. I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Pois chiche à la place du cerveau. Shadow Pass and the Lost Crown. Now fix this wreck so we can get airborne and step on it, lad. I'm paying you by the hour, and I'll nae having you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have. C'est quand même dommage. We're as good as. Whoopsie Daisy. Qu'ils aient pas trouvé le moyen d'animer les bouches quand même. Tout le corps bouge, mais pas la bouche. C'est un peu bizarre. C'est pas gênant, mais. Launchpad. Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay. You're the boss. C'est vous le patron. Bah oui, évidemment que c'est moi le patron. Ah non, Zaza. Alors, ah, je peux revenir en arrière. Probablement qu'il y a quelque chose. Ah ouais, ça fait ça partout ou pas? C'est ça. Ah. Non. Ah putain, je suis sûr qu'il y a un truc là, mais comment je vais faire? Non. Je peux pas sauter là. Oh, ça m'ennuie très fort ça. Puis y a pas de double saut, c'est chiant. Bon bah tant pis. Tant pis. Lapin. Lapin. Oh, ils vont être chiants à buter ceux-là. Oh la vache. Oh. Donc il va falloir que je me gèle les miches à chaque fois pour débloquer des trucs. Ah alors attends, il y a peut-être un. Hey, salut Castelmark, bonjour à toi. Il y a peut-être un truc à débloquer alors. Non? Non? Ouh, et Frankie qui arrive. Hey, merci pour le host, Frankie. Et bienvenue en ce mercredi soir. Ouh, putain. Là, bah, tu vois. Regarde ton écran, Milkshaker. La bande à Picsou. Bah oui, c'est le plus grand boss de toute la ville. Alors forcément. On a commencé fort avec un petit Daft Punk. Eh, hey, j'avais envie. J'avais envie de Daft Punk. Toi, tu vas. Ah putain de merde. Oh l'Himalaya. Je sens qu'il va être casse-couille ce niveau, mais d'une force. Non. Haha, le con il est bloqué. Tiens. Tiens. Et c'est le plus riche de tout Canardville aussi. Ouais, bah oui. Hop. Et celui avec l'accent écossais le plus merveilleux aussi. Il a un de ces accents Picsou, j'en reviens pas.
Oh putain, non! Attends, la carte. Bon, comment ça va bien tout le monde? Est-ce que votre mercredi a été... Les trades sont étranges. Toute la faune locale veut ta mort, ouais. C'est ça, alors que c'est des petits lapins, regarde. Alors la grosse question que je me pose là, c'est est-ce que il faut absolument descendre partout là ou pas? Ok, là il n'y a pas... Non, ok, donc oui, il faut descendre. Pourtant je lui ai rien fait à la faune locale. Hein. Moi je veux juste piller les trésors, tout ça. Non, ok. Gâteau! L'avantage de la VO, c'est qu'ils ont pas peur de faire parler avec personne avec un accent. Ouais, bah ouais. C'est un bon accent écossais pour Monsieur Scrooge. Ouais, Scrooge McDuck. Alors du coup, est-ce que je vais rejoindre... Oui, d'accord. Ah putain, c'est chiant là d'être... De se mettre dans la neige à chaque fois. Oh! Là, pour choper du blé, ça va être compliqué. Lapin! Aha! Oh mon dieu! Les Écossais sont réputés être radins. Il paraît, ouais. C'est l'heure de la chasse au lapinou! Ok. Très dur en FR, c'était chaud. Ouais. Bon, que le jeu soit pas traduit en. Qu'ils aient pas traduit les. Enfin, qu'ils aient pas fait les doublages. Ça me gêne pas, personnellement. Franchement, ça va quoi. C'est pas les trucs les plus choquants dans le jeu. Ouh. Aha. Un nouveau cœur. Yes. Ça, ça fait plaisir. Faut que je descende maintenant ou pas? Ah, la référence. D'accord. Est-ce qu'il faut descendre maintenant? Bon, de souvenir, on peut toujours trouver à se rattraper. Donc... Oula, merde, ça glisse en plus. Oh, les salauds. Tiens, dans ta gueule. Hop. Les Américains, Écossais, Anglais qui qualifient les Écossais de radins. C'est pas quelque chose qui ferait tilt chez nous? Bah, si on parle des Écossais, vaut mieux dire c'est pas quelque chose qui ferait kilt chez nous. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Oh le... Putain, le salaud! Viens là! Que je te pète la gueule! LOL! Ah bah hé! Hey. Quand même! Bref! La blague de la soirée. Ouais, espérons que ce ne soit pas la seule. Ah putain, le con. Non, y'a rien. Ok. Tiens là. Tiens. Ouh, j'ai chopé un truc. Trouver les deux autres pièces. Ah ah. Alors, est-ce que je suis pas en train de merder au niveau des... Non, faudra quand même que je descende après. Ok. Hop. Eh ben. Je suis... Eh. J'ai pas compris.
Parce que on est d'accord que là, ça mène à rien. Bon bah je suis bloqué dans le décor, c'est pas grave. Certains avaient pensé dire que Picsou était juif pour stéréotype radin, mais c'était malvenu après la guerre. Non, tu crois? Ouais. Est-ce que si je... Est-ce que c'est un trou pour mourir ça ou pas? J'ai pas envie d'essayer. Vas-y, viens, 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 je t'attends. Hop. Ça aurait pas trop marché. Non, je crois pas. Mais saute pas là-dedans, espèce de gland. Ah, mais putain, c'est pas vrai ça. Allez. Tiens. Est-ce que je vais du bon côté au moins? Oui. Regarde pour voir si tu tombes. Ouais, je sais pas. Et là, ça emmène en bas. Ok, bon, je vais d'abord aller chercher le truc à gauche, là. Tiens. Ah, ça pique, hein. Tiens. Ah oui. Oh, le solo de guitare. Avoir vécu au Canada, il y a beaucoup de descendants d'immigrants écossais, je veux dire, ce type existe aussi là-bas. Il y a un fond de vérité. Ah! Ah! Ouais, il est cool le remake, quoi. Après, j'ai pas joué à l'original, donc je peux pas juger. Je peux pas juger de... Est-ce que ça correspond bien, mais... Putain, mais il y a combien de trucs là? Ah, attends. Ah non. Forcément. J'ai pris en facile. Non, en normal, je crois. Je crois que je joue en normal. Parce que j'avais pas envie de trop me faire chier non plus. Ah, gros diamant. Et là, je remonte. Là où j'étais au début. Ah non. Crève. Et des fois, il y a des trucs comme ça, tu peux y aller, tu sais pas pourquoi. Genre là, je pouvais monter sur le mur, mais ça ne sert à rien. Lapin! Ah, putain de bordel de bite. Tiens. Boum. Crève. Ah l'enfoiré. Mais c'est pas possible. Concentre-toi bordel. Ah. Ah ok. Et du coup là je peux... Ah c'est cool ça. C'est trop bien, un raccourci. J'avais fait... Pardon. Mais fait sur Game Boy, c'est quand même légèrement plus joli. T'as fait du mal au Beagle Boy. En VO, les rap tous, c'est les Beagle Boys. Ah, d'accord. Le fabricant de château. Boum, regarde, moi aussi je sais le faire. Hop. Zboing, zboing. Allez, you. Sautons.
Oh la vache. J'ai failli décéder. Comment je vais le choper celui-là? Ah bah par en dessous, je suis con. Faut que je reparte. Non. Ça commence. Ça y est, ça commence. Fidèle à ton rendez-vous, ouais. Milkshaker chez Guevara. T'as entre chez Guevara et Mick Jagger à cause de mon pseudo, on va me donner tous les surnoms. Hop, ok, à droite, allez. Ça, c'était pas très sympa. Oui, allez. Casse. Lapin. Effet qui se coule, tout ça. Yes. En FR, ça devient les Raptous, rien à voir. Ouais, en même temps, les Raptous, c'est pas déconnant non plus. C'est pas déconnant, vu qu'ils essaient toujours de choper la fortune de Picsou. Ils essaient de tout voler, c'est pas complètement idiot. Mais c'est vrai que ça fait penser aux inconnus. Ouais. Évidemment. Nous sommes Ursaf, Cancras et Carbalas. Qui que tu sois. Quoi? On est d'accord que je viens de me bloquer là? Non, ça va. Ah, je peux pas rejoindre là-bas. Bon, bah c'est pas grave. Repartons. Nous sommes les frères qui rappent tout. Je te paye un pot. Eh oui, un pot. Ouille. Ça fait mal, ça. Allez, voilà. Zboom. Il n'était pas là avant celui-là. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a le stream. Exactement. Loupé. Eh ben, allez. Oh là. Non, d'un kilt à frange, mais c'est Booba. On dirait que ce pauvre petit chéri s'est fait congeler. Ah, c'est con, hein. Allez. Yes. Le quintet plus, on te reçus. Mais calme-toi, petit, calme-toi. Pourquoi pas? Ouga, ouga, oui, bien sûr. Non, suis-moi. On a dit suis-moi, pas par devant. Doum, doum, doum. Ah! Du pognon! Du pognon! Ah, c'est bien ça, il peut péter les trucs. Et il peut déglinguer les ennemis. Alors ça, ça me plaît. Ça me plaît très très fort. Dans la mode Disney, l'homme des cavernes décongelé. Ouga bouga. Ah, moi je peux pas le casser. Viens copain, viens. Là, là. Voilà. Gros diamant. Oh la vache. Putain, mais Picsou qui chie des diamants, quoi. Boum. Iga Biva, c'est l'extraterrestre copain de Mickey. D'accord. Oh, on est pété de pognon.
Allez, bousille-moi ça. Ah ah! Qui mange des boules de naphtaline. Le gars là nous attend pour traîner à Donaldville. Du coup j'ai tout chopé là. Mais non mais il me manque un machin encore. Hop 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 hop. Non. Ouh, j'ai failli le louper celui-là. Le million, le million. Et ouais. Le milliard. On parlait des inconnus. Hop. Lapin. Ouais. Donc, Picsou, l'ennemi des animaux. Hein. Il défonce les lapins à coups de canne. Que fait la PETA? Non. Et ben voilà. Les inconnus perdus de recherche. Tu es en bonne compagnie. Eh ben allez. Le monsieur il a dit il n'y a plus qu'à retourner au lieu de lancement. Ouais, faut juste remonter. Y'a rien là. Grand fan des canards. Ah ok, d'accord. Et les musiques du jeu sont trop cool. Hop. Tiens, je me ferai pas avoir je sais pas combien de fois. Ah. Et alors là du coup. Ok, il y avait rien. Ça ne servait à rien. Lapin. Lapin. Qui se coule. C'est frais. Mais c'est pas grave. Les tons de Rosa, on est. Les musiques sont super. C'était en mode explorateur avec Dingo. Ah. Ah, je suis pas aussi calé que vous sur Picsou et tout ça. Boing. Boing. Hop. Le lore de Picsou, c'est pas vraiment le truc que je maîtrise, quoi. Ah, c'est mieux, ça. C'est beaucoup mieux. Et voilà, Flagada. Il est comme neuf. Décoller cette boîte de conserve. Mr. McD. Oh mon dieu, une Zaza sauvage apparaît. What in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Uncle Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you. Maintenant, je dois veiller sur toi, et Flagada. Blasé de la vie, quoi. You don't think I'm just a worthless tag-along, do you? We're ready for liftoff, Mr. McD. Not a moment too soon. Strap in tight, Webby dear. Off we go. Et c'est parti. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Cible que la mer. Launchpad. Knock off that infernal chatter. Gee whiz. I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the plane. Quelque chose de pesant, c'est. Maneuverability with all the unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for Shadow Pass. Défilé de l'ombre. We'll be there lickety split. More like lickety splat. C'est ce que nous verrons. Merde, Gripsou, enfoiré. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot. Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat. Only you could sink so low. Et que toi pour tomber aussi bas. Complain all you like. Couronne de Genghis Khan rendra très bien sur le mur de mon bureau. C'est pas très sympa ça. Oh mais sérieux. Il est tombé dans ce piège aussi grossier. Ah, attends, qu'est-ce que ça raconte là? Il est dans là.
Il y a depuis tellement longtemps. On trouve pas de photo de Milkshaker topless de Luna. Ah bah désolé, ma carrière de pin-up est finie. Désolé. Voilà, c'est. J'ai fait tout retirer d'internet. Les types de médias, tout ça. Univers partagé, les premières histoires. Adaptation de la jeunesse de Picsou. Ah! Oh putain. Aïe! Ok, d'accord, faut lui renvoyer ses bombes dans la gueule. Aïe! Ah merde! Ah putain, il va être casse-couille lui! Boum! Allez! C'est long! C'est long! Boum! Boum! Ah bah voilà! Je reviendrai! Je me vengerai! Ouais, ça doit être ça, ouais. Pin feathers, there it is. Shadow pass directly ahead. Take us down, Launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. McD. Mr. McD. We're close to that treasure now. Tout près du trésor maintenant. On sent presque son odeur. C'était pas moi. Definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between Tom, me and the lost crown. Ouais, la couronne perdue. Haha. Don't go. Worry, le t'as fini de flipper. Whatever's in that cave is no match for your uncle Scrooge. I earned my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it'd better step aside. But I'm scared. Stay with Launchpad. He'll take good care of you. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh. C'est pas très sympa ça. Castle Mark. Merde! Attends! Ouais, ils sont 5 et genre ça fait 3 films de Noël à la suite au mois de décembre chaque année. La Picsou Magazine. Ah putain! Avec les super Picsou géants. Hop, tiens, c'est toi là qui a voulu me, hein? Ah, il s'est petit suicidé. C'est con ça. Boing, regarde ça. Hop. Ah, putain de bordel de merde. Eh, mais faut que je fasse gaffe parce que le game over il est pas loin. Quand même, j'ai zéro vie. Donc, soyons prudents quand même. Hmm? Là, un truc? Non. Tiens, crève. Sale biquette. Spoil. Elle est vachement, vachement solide sa canne quand même. Hein. Une petite vie, non?
Est-ce qu'on croise Donald dans le jeu? C'est une très bonne question. Oh putain de bordel de merde. Ouch, ça fait mal. Tiens, dans ta gueule. Aïe. Attention au décès. Ah, mais saute pas dedans, espèce de gland. Oh putain, ça va être horrible. Ah putain de merde. Oh, ok d'accord. Ok. Oui, pas content. Ok. J'ai compris. Saute. Ah putain de merde. Je vais tellement décéder. Mais je me jette dedans. Ah, va falloir que je recommence le niveau. Super. Super. Eh, j'ai que ça à foutre. Chut. Passer la cinématique, hein, faut pas déconner. Parce qu'elles sont longues les cinématiques. Chut. Allez hop. Allez. On y va. Speedrun. Ah putain, j'ai plus de pognon en plus. Bordel de merde. Aïe aïe aïe, ouais non mais... Avec le premier niveau ça m'avait fait ça aussi, j'en avais chié pour le boucler. Parce que j'étais pas toujours concentré. Du coup hop, voilà. Toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Non mais non, mais non, mais non, 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 non. Tiens, dans tes dents. Donc on a dit qu'on pouvait aller. Putain, mais c'est... Lapin. Ah. Non. C'est bon, j'ai compris maintenant. Hein. Arrêtez de me taper. Voilà. J'emmerde la faune de l'Himalaya. Hmm. C'était parti sortir le chien. Oh bah tu... Tu fais ce que tu veux, Franky, hein. Tu vis ta vitamine, hein. T'inquiète. J'emmerde les Tibétains. J'y vais bien. Ah, y a de la référence dans l'air. Moi je dis ça vaut pas la pub pour Mercurochrome, le pansement des héros. Hein? Tu sais là. La pub pour Mercurochrome, le pansement des héros. Enfin Mercurochrome, le pansement des héros. Tu sais, Mercurochrome, le pansement des héros. Est-ce que je vous ai parlé de Mercurochrome, le pansement des héros? Je croyais vous avoir parlé de Mercurochrome, le pansement des héros. Ah, parce que si je vous ai pas parlé de Mercurochrome, le pansement des héros, bah faites-le moi savoir, comme ça je vous parlerai de Mercurochrome, le pansement des... Bon, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. C'était tellement du spam, cette pub, c'était honteux, quoi. Des fois, de faire une émission spéciale années 80-90 à des extraits de pubs et de dessins anomés. Des dessins animés. Ouais, bah, un genre de club JDG, quoi.
Ou Club Dorothée, enfin. Sauter question de droit sur Twitch. Ah ouais, faut voir. Faut voir. Ouh. Quand il a sauté comme une pucelle, quoi. Genre, oh mon dieu. Un lapin, secours, je vais mourir. Allez. It's boring. It's boring. Non, ne saute pas dans les pics. Hein. On l'a déjà faite la blague. Elle était pas drôle. Oh putain. C'est tellement la plaie, la neige. Tiens. Ah, j'ai l'autre. Cool. Bah après je sais pas vraiment si tu sauterais sur Twitch parce que je vois Fred Zolf, je sais pas si tu vois si tu vois qui c'est, Francky, Fred Zolf, Sparadra dans Noob, il a une chaîne Twitch et il fait des trucs des fois un peu des streams nostalgie où il passe les vieilles pubs, tout ça, les vieux génériques de dessins animés ou de séries. Et sa chaîne Twitch, elle est toujours là. Hein. Donc, a priori... Tant que tu viens pas dire que c'est toi qui a fait le truc... Putain, concentre-toi. Il a pas 300 followers. Ouais, alors ça, tu vois, ça veut rien dire. Parce que regarde, même avec plein de followers, Benzaï, l'autre fois, là, qui s'est fait striker sa chaîne parce qu'il a fait le con. Voilà, il a 250 000 followers. Et il s'est fait striker sa chaîne parce qu'il a fait le con. Donc, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il a fait quoi? Il a eu la bonne idée pendant un stream caritatif de faire une recherche, disons un peu osée, hein, on va dire ça comme ça. Et il s'est retrouvé, non pas blague raciste, il est allé dans Google Images, il a tapé Katsuni Emmanuel Ferrara. Et ça a merdé. Voilà. Voilà. On s'est retrouvé avec des... Donc en gros, il s'est retrouvé à diffuser des images porno sur un stream, quoi. Même si c'était qu'une fraction de seconde, il a réagi tout de suite, il a enlevé la page, bah ça s'est vu quand même. Et du coup, Twitch après a dit non, mais non. Et là où il a de la chance, c'est que il s'est juste fait striker temporairement. Sa chaîne, elle va revenir. C'est pas un strike définitif. Donc, mais ouais. Attends, je te jure, il a fait ça. Il y avait Ganesh qui était à côté de lui, qui lui disait genre non, surtout fais pas ça. T'avais Manuel Ferrara qui était en... Alors je sais pas s'il était sur Skype à côté ou quoi, mais en gros qui lui disait pareil, non, fais surtout pas ça, c'est une connerie et tout ça, et Benza il a quand même fait quoi. Hop, vite. Ah mais non, mais saute pas dans les pics, espèce de sac à prout quoi. Tiens. Ah putain de bordel de merde.
Ah oui. Tiens, crève. Hop, tiens, crève. J'aimerais bien de la vie, s'il vous plaît. La vie, c'est important. Ah, gros caillou. Voilà, quelque chose comme ça. Faut pas oublier qu'on est hébergé, c'est pas nous le support. Tu rages comme un porc. Oh non, la rage, ça va, ça c'est... ouais. Allez. Ah putain de merde. Mais non, mais je suis con, je remonterai après. On va d'abord aller chercher le bidule là, et après on va. Ouais, c'est ça, c'est par là. On va aller chercher le bidule et après on remonte. Ah, bordel de bite. C'est canard au cueilleur. Les Mighty Ducks, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Carrément. Allez, 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 allez. Allez. Booba. Voilà. Chut, allez, cinématique, ta gueule. On a dit qu'on s'en foutait. C'est tout? Ah ah. Boum. Allez. Ah bâtard. Espèce de salaud. Pourquoi t'as cassé ça avant moi, enfoiré? Je te déteste. Je te déteste très fort. Viens. Allez. Fais ton office. Hop. Ah putain de merde. Bon, on va quand même atteindre le million, c'est cool. Et là, c'est de la vie qu'il me faut. Ah putain, je m'en mêle dans mes câbles, c'est atroce. Oui, bon, allez, hop, il nous attend, blablabla, 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 blablabla. Voilà. Donc on va récupérer le bidule et on remonte. Hop. Ah, le gros caillou. Gros caillou. Allez, c'est bon, la dernière pièce. Hop. Boum. Ok, et du coup, là, on va pouvoir remonter. Et on a réussi à garder nos deux vies. Donc contre le boss, maintenant qu'on sait, qu'on connaît le pattern. Et ben on va pouvoir lui péter sa gueule. Parce que c'est pas parce que c'est le Yeti que... c'est pas parce que c'est une espèce protégée que... on va l'épargner.
pas déconner, hein. Boum. Ah putain. Ah non, il y avait un truc là. Attends. Oh le con. Oh le con. Ah oui. Ah oui. Ah, ça c'est cool ça. Ah, ça c'est très très cool. Oh. Moi ça me parle les Mighty Ducks. Ça me parle carrément. Hop, loupé. Crève. Ouh, j'ai failli la prendre dans la gueule celle-là. Bam. Voilà. Du coup, on passe la cinématique parce que c'est chiant. On passe encore la cinématique parce que c'est chiant. Voilà. Tiens. Tiens. Ah, genre, je l'ai pris dans la gueule. Hop. 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 Tac. Vite. Ah putain. Mr. McD. Ah, c'est bon. On lui a pété sa gueule. Tout va bien. Vilain moche pas beau. Chut, allez, c'est bon, on a compris. On est tout près du trésor. La grosse bébête pas contente. Le migou. Hop, loupé. Hop, voilà. Allez. Hop. J'ai cru que j'allais pas le passer celui-là. Ok. Vas-y, balance ta merde. J'ai pas peur. Hop. Saute. Oh putain. Non. Bah oui, espèce de con. Il va quand même être chiant, je pense. Mais fonce pas dans ses pieds, espèce de... Oh, genre, je l'ai pas eu. Non! Oh, j'ai chié dans la colle. Ok, c'était pas le bon. Ah, bordel de merde. Il est très très chiant ce boss.
C'est un boss, quoi. Mais... Ah, c'est chaud, c'est chaud. Fonce! Oh, mais non, mais t'es sérieux? Hop! Pas content. Allez, on se concentre. Tiens, voilà. Hop, un coup. Oh merde. Tiens, voilà. Allez. Hop. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On se concentre. Voilà. Oh putain. Je l'ai énervé là. Genre bien comme il faut. Ah, au secours. Allez. Toujours pas. Oh putain. Jamais tu crèves. Allez. Attention, attention. Allez. Hop. Tiens, dans ta gueule. Yes. Vous voulez pas te faire mal? Bah oui, elle a juste essayé de me buter, tout va bien, hein? Ah non, elle a des poils, alors elle est trop gentille et trop mignonne. Et voilà, elle a tenté de me buter. Merci pour le GG. Webby, you understand this creature? Absolument pas. Je bois un coup. Here's your thorn, Webigail. The lost crown of Genghis Khan. Il est parti faire quoi là sous la neige? Pauvre créature est marché dessus. Ah, d'accord. Oh, and thanks to you too, ma'am. I think she likes you, Uncle Scrooge. Yeah. Yeah, that's odd. Usually it's me the ladies go gaga for. Well, let's get home before she grows any fonder of me. Niveau terminé. Oh yeah. Oh oui. Les canards hockeyeurs qui étaient les espèces de super-héros, ils se battaient contre des envahisseurs reptiliens d'une autre dimension avec un masque de hockey high-tech et un vaisseau en forme de bec de canard et un genre de mako. Tout en jouant au hockey. C'était la période où il y avait plein de séries comme ça où les héros étaient de plus en plus improbables. Ah. Ouais, je me rappelle. Becky O'Hare, les motards de l'espace, les souris motards dans l'espace, oui.
Les cowboys de Mumesa, des vaches et des taureaux cowboys, avec des flingues qui tirent des étoiles de shérif. Ok. Couronne perdue de Genghis Khan est à moi. Bucky O'Hare, je connais pas non plus. Ou alors, je me rappelle pas de ce que c'est. Oula. Gentillesse et patience. Sweat cats. Ça, ah, j'ai dévoré un succès. On va aller dépenser un peu du pognon. Là, on avait tout débloqué. Là, on avait pas tout débloqué. Et ben, on va tout débloquer. Voilà. Allez, hop. Oui. Oui. Ça sert absolument à rien, hein, à part faire Dolly. Mais du coup... Oh, putain. Non, pas esquisse, connard. Rendu crayon. J'ai dit rendu crayon. Mais là, y'a rien. Ok. Ah, des emails. Ah, y'a quand même plein de trucs à débloquer. C'est cool. Hop, vas-y, tac. Les moins chers, comme ça on en débloque un max. Pareil, dans les rendus crayons là, est-ce qu'il y a des trucs pas trop rush? Non, ça monte tout de suite à 200 et quelques. Eh ben on va aller là, on va finir là. Allez hop. Ah, attends, 200 000. 205 000. Et voilà! Et si on se faisait un petit plongeon aussi? Hein? Regarde, attention, attention, est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Pour le plongeon! Plouf! Voilà, donc techniquement, selon les lois de la physique, Picsou vient de s'écraser comme une merde, hein? Parce que. J'adore, je trouve ça trop cool qu'ils aient mis ça dans le jeu. Franchement, parce que, avouez, gamin, on a tous rêvé de faire ça, de pouvoir se baigner dans un. Dans un truc de pognon. Ou c'est juste moi? Hein? Est-ce que c'est juste moi qui voulais faire comme Picsou? Miou! Il n'y avait pas ça à l'époque. Ouais, moi je trouve ça trop cool. Regarde! Miou! En plus, il reste un peu en dessous et tout, c'est trop bien. Regarde! Ah, l'argent, l'argent. On dit que l'argent fait pas le bonheur, mais regarde, je m'amuse comme un petit fou avec tout ce pognon, là. Tellement de pognon que je sais pas quoi en foutre, je me baigne dedans. Première fois que tu l'as fait sur PS3. Et plus tu ramasses d'argent, plus il y en a. Ouais. Il recrache les pièces. Ouais, mais c'est trop bien. Il recrache... Ouais, plus tu... Plus tu en ramasses, je crois, plus ça se remplit. Ouais, c'est trop bien. C'est des petites features à la con comme ça, mais qui font toujours plaisir, quoi. Êtes-vous prêt à aller sur la lune? Allez-y. Voulez-vous voyager vers la lune? La lune. Je sens bien le niveau avec une faible gravité. Best music ever. Mais le fromage vert de la longévité vaut largement le déplacement. Ah. Ouais. Là, est-ce qu'on va aller du dark side ou pas? Hein? Moi je veux bien aller, hein. Ouh! Ouh putain, ça a craqué. Gosh, Mr. McDuck. I've never been to the moon. Gérard Mentor, quoi. Well,
When it comes to space cadets, Fenton, you're a natural. Now, Gyro, why in blazes are we chewing this awful blue muck? Why, that's Oxy-Chew, Mr. McDuck. The Oxygum. It's my latest invention, oxygen-flavored taffy. Five good chews and you can breathe on the lunar surface without a spacesuit. Oh, and it tastes great, too. That, Gyro, is a matter of opinion. Now, which way to the... Ah non, mais s'il y a des bruits de mastication dans mes oreilles, je vais pas apprécier. Ça va pas le faire. C'est le mec qui est là pendant tout le niveau. Ça va doucement me faire chier. T'as plus croire une telle chose, j'ai l'impression d'être entouré par... Oh, qu'est-ce que c'est? Hello? Mr. McDuck! Ah. Tout ceci est embêtant. Do we really? We do if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got power robotique to break into the moon vault. All right, fine. Restez là et surveillez le matériel. Bon, je vais le chercher. Swat Cats, c'est un monde de chats anthropomorphes. Deux chats justiciers pour fendre le crime à bord de leur jet ultra moderne. Ah oui, d'accord. Oui, la musique, je la connais. Je l'ai déjà entendue, ouais. Et... Pff, ridicule. Tiens. Ah, ça fait le malin, là, avec sa combinaison, hein. Poum. Bon, ça sert à rien de sauter comme un mongolien comme ça là, hein. Donc on va se calmer un peu. Ah. Donc là il y a des trucs à choper, c'est ça encore? Ouais. Genre une combi probablement. Ouais. Ah. Attention. Ça va chier des bulles. That looks like the same spaceship that took off with Fenton. Well, I guess this means I'm invited on board. D'accord. Regarde, il se suicide. Non. Ah, ce fail de merde. Vous avez le droit de vous moquer. Je vous autorise à vous... Oui, voilà. Non, mais je l'ai fait exprès, en fait. D'une certaine manière. Voilà, il fallait que je mette fin à mon existence. Attends. Hop. Parce qu'il y a encore des trucs là-bas. Aïe! Non, mais non, mais non, mais putain de bordel de... Ah l'enfoiré! Ah l'enfoiré! Je vais quand même pas faire game over là. Hop! Parce que si je monte dedans... Pff, oula! Oula. Je sais pas, je le sens pas là, les bobines là-haut. Leur bobine ne me revient pas. C'est tout. Alors sûrement un truc à gauche, mais je suis pas invincible, donc je vais pas pouvoir. Ok, d'accord.
Pourquoi pas. Leur bobine revient. Ah. Autant pour moi. J'ouvre Instagram, la story d'un pote. Les rap tout. Ah, c'est bon ça. On est d'accord que ça c'est un rayon laser. Hein. On va éviter d'essayer de le traverser. C'est rarement une bonne chose. Partie de robotique. Ah non, c'est une porte. Oh putain. Faut trouver des boutons maintenant, super. Tout est super génial. Aha. Boum. Il va falloir sortir le skill. Ah. Ok. Ça marche. Boum. Fenton, get down from there and stop embarrassing yourself. Thank goodness you're here. I think those aliens wanted to suck out my brain and make an army of Fenton clones. Une armée de clones de Gérard. Soon learn that one of you is one too many. Now, help me find a security override so we can get to your gizmo duck suit. You mean this? Security system disengaged. Fenton, you're a genius. Gee, Mr. McDuck, do you mean it? Oops. Warning. Ah putain, j'en étais sûr. Fenton, you're a nincompoop. You broke the gravity controls. C'était tellement obligé, quoi. I got a level 3 certificate of technology from Happy Ducky University, you know. Oh no, you don't. You'll probably slam into the self-destruct button too. I'll get us out of this. J'en étais sûr, mais j'en étais tellement sûr qu'il y aurait un passage zéro gravité. C'était tellement obligé. Youhou ! Hey, regardez ! Youpi ! Youpi ! Attendez, faut que je fasse mes longueurs. Hop ! Youhou ! La 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 la. La 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 la. Ouh. Hop, par là, comme ça. La 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 la. On est bien là, regardez. Je flotte. Je flotte. Bon allez, ça suffit les conneries. Hop. Et maintenant. Boum. It's a small world. De rien. Now, let's go get my gizmo duck suit. Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. Tête de minute. I'll find the gizmo duck suit myself. Ouais, t'as assez fait de conneries comme ça. Doum, 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 doum. Ah! Attention. Bam! Oh les bâtards. Home run. Ah bah oui, mais du coup. Voilà. Ah, premier morceau. Premier morceau. C'était le casque de robotique. Je suis peut-être un peu dur avec lui. D'accord, faisons comme ça.
Ok, droite ou gauche, on s'en fout. Non. Attends. T'es rien qu'un vilain. Vilain pas beau. Moche. Aïe. On regagne jamais de vie dans ce jeu, quoi. Rarement, quand même. Tac. Aïe, bordel de merde. Ah, on rebondit dessus, c'est bon à savoir ça. Et on continue de grimper, on continue. C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est super grand comme niveau, quoi. Tiens! Ah, je peux moins la maline, hein? Ouh, un cœur! Doum, doum, doum! Boum! Le deuxième morceau. Looks like I found Gizmo Duck's armored suit. It's a good thing Gyro rigged up this hyperspace pocket. Cette poche d'hyperespace. Heureusement que j'ai cet inventaire de jeux vidéo infini. Ok, et eh ben on redescend. Allez-y. Oh, pardon. Ah oh, putain, mais c'est pas possible quoi. Bonjour. Bordel. Hey, salut Ludiculture. Comment ça va? Bienvenue. Ah, loupé. Ah, putain de bordel de merde. Par où il faut... Si je monte là direct, ça le fait ou pas? Là d'ailleurs, ça fait penser, Ludiculture est là, je vous invite à aller voir la chaîne Ludiculture. Chaîne YouTube qui parle de jeux de société. Si les jeux de société vous intéressent, je vous conseille d'aller jeter un œil. Salut! Ça fait plaisir de te voir là. Hop. Tu vas voir de quoi il retourne. Ah ouais, ils viennent de passer les 100 abonnés. GG à eux. Ah, attends. Oh putain, mais je vais trop loin là. On se calme. Si je veux tout visiter, hein.
Ah putain de bordel de merde. Mais... Oh il m'agace. Je sens que je vais devoir le recommencer le niveau. Je sais pas pourquoi. Hein. Oh! Eh mais on l'a pas trouvé dans le niveau d'avant elle. Je viens de m'en rendre compte. Mamie Baba. Yes! Ben voilà notre vie. Boum! Hop. Tiens, tiens, et voilà, ça c'est bon. Hop. Non, je suis par là. Oh, tiens, des... Oh putain, il y a plein de trucs. Trop cool. J'imagine que c'est là le passage où il faut du skill, Franky. Je vais aller visiter ce qu'il y a en bas avant. Allez. C'est exactement là. je m'en serais douté. Hop. Allez. On va y arriver. Oh. Allez. Gizmo Duck's wheel. I've always wondered what Gyro was thinking when you designed this thing. Who fights with a unicycle? Je m'attendais à pire. All three parts, I can head back to Fenton and Gyro. T'as eu peur? Un peu. Ah, je me suis dit pour que tu me préviennes comme ça, c'est que ça allait vraiment être compliqué quoi. Ah ok d'accord, ok, non j'ai rien dit, on se calme. Ouf. Mais bon, c'est passé. Tac tac tac, allez, c'est parti, on descend. Ouh. Hop. Là-bas on est déjà allé. Donc on va pas y retourner. C'est l'erreur qui est fatale. Ouais. J'irais même que l'erreur elle est monumentale. Monumentale erreur. C'est bon vous l'avez. Et la canne pogo de Picsou est automatique. Ouais. Du coup, attends, c'est pas à droite. Non, bah non, faut juste repartir quoi. Boum. Sur NES, tu dois appuyer sur bas en même temps. D'accord. Mais il y a moyen de le mettre. Moi, bon, il est en auto. Enfin, genre, t'as juste à appuyer sur X. Voir ce que ça fait si vraiment. Ah ouais. Ouais. Non, c'est bien comme ça. Ça me convient, moi. Ça me convient bien. Ok, ouais. Faut encore descendre, c'est ça. Je suis allé tout à droite là-bas, là. Oui, c'était là où il y avait la... C'est moins chiant. Ouais, bah... L'idée c'est pas que le stream soit regardable parce que j'en chie trop quoi. C'est disons que voilà, on n'est pas sur du Dark Souls non plus tu vois. Peut-être un jour je me motiverai à faire Dark Souls. Peut-être. Faudra. Mais j'aurais besoin d'aide si je fais ça. Si je fais du Dark Souls. J'aurais besoin des joueurs qui ont dosé le jeu parce que
Dark Souls, ça fait partie de ces jeux. J'ai essayé plein de fois d'y jouer. Et il y a toujours un moment où j'en peux plus, quoi. J'ai achevé de lancer, bon, j'en ai marre. Donc en fait, le problème que j'ai avec Dark Souls, c'est pas tant la difficulté. Je sais que le jeu est dur. Ce qui me gêne le plus, c'est que le jeu te donne rien. Le jeu est beaucoup trop austère, je trouve, ou beaucoup trop avare en information. C'est-à-dire qu'il te lâche comme ça au milieu et démerde-toi. Voilà, démerde-toi pour comprendre un peu l'histoire, pour aller fouiller des trucs. Je trouve que c'est bien de faire fouiller les gens, mais à ce point-là, c'est peut-être un peu trop, tu vois. Ça manque peut-être un peu de sans être pris par la main, un peu plus d'indications, ce serait pas mal, quoi. Ce serait pas mal. Ah oui, non, c'est bien par là. Sekiro est plutôt sympa. Ah, mais putain, mais c'est pas possible. Arrête de mourir comme un caca de... Faut se concentrer. Voilà. Oula, j'ai failli sauter dans le vide avec lui. Je vais décéder. Non, c'est bon. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je ne mourrai pas sans combattre. Je ne mourrai pas sans me... Hop. Oh, un gros diamant. Encore un gros diamant. Ah putain, faut retourner. Ah merde. J'avais pas vu, faut retourner à l'entrée. Merde. Ah, c'est chiant. Hop. Oh putain, il me suit. Non. Au secours. Oh, oh putain, il y a plein de trucs. Au, au, au. Oui, exactement. Au, au, au. Attention. Non. Putain, mais c'est pas possible. Il est long ce niveau. Il me suit. Arrêtez de me suivre. I managed to find all of Gizmo Duck's suit. Oh boy, now we could blast into the treasure vault. On va pouvoir entrer dans le coffre-fort. C'est parti. I think I left my favorite $2 bill under the back seat. Heureusement que Mamie Baba elle nous a filé une vie quand même, hein. Parce que putain. Putain. Mais foif. But there are only three of us here, sir. Won't he figure it out anyway when Gizmo Duck appears and I've mysteriously vanished? I wouldn't worry about that. Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. Oh! Hey! Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Mot de passe secret, activez cette armure de malheur. Oh, blather and blatherskite, I'm useless. I mean, I'm useful to the extreme. Point me toward the offending blockade. So that I might deal justice upon it. Cut the dramatics, yes. Would you, and follow me. Soyez un peu moins théâtral. Mr. McDuck? Fenton? Gizmo Duck? They're gone. C'est parti, Mamie Baba au rhum. Ouais. Mamie Baba au bab. Back under the seat it goes. Oh, oh oui. Oh vas-y. Défonce-leur la gueule. Le mec il y va au lance-roquette quoi. Sans pitié. Guerre. Mort et désolation. Allez viens, vas-y. Ah, je vais y aller comme un lâche là. Franchement, allez, zou.
Détruis-les. Voilà. Boum. Boum. La technique de lâche. Ouais, parfois c'est pas mal d'être un lâche quand même. Hein. Ah ah. Mami Baba Peloula. je l'aime beaucoup celle-là, Frankie. Je l'aime beaucoup. T'es pas peu fier, ah bah tu peux. Oh putain. Mami Babar, roi des éléphants. Why, same as you, Scrooge. Trying to corner a new segment of the dairy market. Why, you... How did you find out about the green cheese? Wouldn't you like to know? Tu aimerais bien le savoir. Mais merci de m'avoir évité de me fatiguer à faire sauter cette porte moi-même. I'll stop him, Mr. McDuck. Halt, evildoer! No, Gizmoduck. I need you to help me deal with the... Eagle boys. Bah. Mami Baba et les... Ouais, bah, ouais. Mami Baba, no. Candy descend par ici. Mami Babalgom. Monsieur et Madame Fly ont trois fils. Comment s'appellent-ils? Abdul, Yves et Aken. Abdulive, I can fly. Abdulive. Eh ouais. Bravo, bravo. Ouais, bah ouais. Ah, c'est un classique celle-là. Hop. Allez, là, il me faut de la vie, quoi. Sérieux. La vie, la vie, la vie. Mami ba 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 bibel. Oh la vache. On ne l'arrête plus, Francky, là. Ça y est, il est lancé sur les blagues. C'est parti. On est d'accord que le... l'invulnérabilité, elle sert à que dalle en vrai. Oh putain, merde. Ça va être chaud de trouver mieux. Ah. Ah oui. Et c'est un cœur supplémentaire. Succès déverrouillé. Bénissez-moi, cornemuse. D'accord. Pourquoi pas. C'est beaucoup trop de cours pour être utile, mais grave, c'est juste... Tu as du cœur. Ouais. Ah putain l'enfoiré.
Boum, boum, boum. Il y a un autre truc ou pas là? Non. Ok. Oh putain. Non. Non. Il a bien changé Fievel. Hein. Oh putain, dégage, dégage, t'es moche, je t'aime pas. Oh la vache. Putain, il est vénère le truc, hein. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Oh putain. Ah! Au secours! Je veux pas mourir! Il y a un rat mutant dégueu qui essaie de me tuer! Hop! Tiens! Attendez, hein, je regarde pas trop le chat là, j'essaie de me concentrer. Vous m'en voudrez pas? Oh putain de merde! Non! Non! Foiré! Fils de mouette! Tu vas mourir, Ratigan. Hop. Non, non, non. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'ai dit. Eh. Allez, moi je dis, ça sent le first try là, tu vois. Genre le first try de la mort. Aïe. Non, non. Loupé. Espèce de sac à merde. Tiens. Allez. Aou. Oui, ça fait mal, ouais. Yes! C'était le first try! La drogue fait des ravages chez les plus jeunes. Pauvre Rémi. Nouveau monde n'était pas ce que Fievel espérait. Ratigan, ouais, c'est dans Basile, ouais. Ah, Basile, il est trop bien. Basile, détective privé. Il me faisait tellement flipper Ratigan quand j'étais petit. Ça finit pas comme ça, quand même. Il va y avoir un dernier truc, un dernier niveau, quand même. Hein ? Bon, passé, c'est chiant. On a réussi. Oh non! Sorry, McDuck, but your meddlesome nephews are fouineurs sont retenus pour le moment. Flintheart Glumgold, you put the Beagle Boys up to this. Guilty as charged, Scroogey. I've been the world's second richest duck long enough. But these treasures will soon change that. Oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over the Nous avons tu m'aies donné ce dernier trésor. Le vieux fromage qui pue. The way I see it, MacDuck, you're not in much of a position to argue. Yeah, aye. You drive a hard bargain, Glumgold.
Take it, you filthy cheek. Oh, le vieux clacos dégueulasse, quoi. Flintheart Glumgold, the richest duck in the world. Tiens, prends ce maroilles. Number two, Scroogey. Oh non, putain, mystique. Magic or dispel. It's so rude of me to drop in. Vous allez devenir sans être annoncé. What are you doing here, Magica? Quick, somebody sound the alarm. Duckworth, Mrs. Beakley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds. Not so fast, fools. Oh putain, c'était rose. I can't move. Me neither. Now I know how a statue feels. Greedy old fools. These treasures are bande d'arpagons qui parle comme ça. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yes? Painting of Drake von Bloodstone, also known as Count Dracula Duck. Dracul quack. Part of spell to summon him. Bah, what rubbish. You will see, with power of Dracula Duck under my command, I will rule the world. Ouais. Pardon. Unless, you'd rather surrender number one dime, Scrooge. Dime is much gentler way to conquer world. We'll save me. Façon bien plus douce de conquérir le monde, mais ça m'est pas grave. Less risk of accidental Dracula bite. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. Du coup, vu la vénération qu'a Picsou pour son sou fétiche, est-ce qu'on peut dire qu'il est fétichiste? Vous avez 4 heures. I take leave. Bring number one dime to my home and mount Vesuvius in 24 hours, or little nephews will become snackula for Dracula. Yeah. Dans 24 heures. Sushiste. Sushiste, c'est pas ceux qui aiment les sushis? Non? Lousy, no good so-and-so. I stole those treasures, fair and square. This is no time for bellyache and Glumgold. Pas le moment de discuter avec Ripsou. Faut que je sauve mes neveux. Forget it. That she-devil's long gone. You can't catch her now. Maybe you're right, Flinty. Que tu dis? That leaves me no choice. How about a deal? You help me get the boys back, and you can keep the five treasures. Without your dime, I'll become the richest duck in the world, and you'll be nothing but a shriveled up old. C'est pas. On peut dire que si on lui enlève, c'est. That dime's not worth 10 cents. Si on lui enlève malgré 6 milliards, il est sans le sou. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. You know what I think, McDuck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability. And I'm gonna be the richer for it. Oh, go soak your head. Ouais. Bon, bla bla bla. Allions-nous. Bla 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 bla. Histoire random qu'on connaît tous. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, il y avait un... J'avais pas vu qu'il y avait un... Now remember our deal, Flinty. Help me rescue the lads and the treasure. Je crois que je viens de louper un niveau bonus. You keep up your end, and I'll keep up mine. J'ai pas compris. C'était un stade... Bah ouais, mais j'ai pas vu... J'avais pas vu qu'il y avait un truc dans les nuages... Il cache les trucs, les plateformes, ces connards. Je suis désolé, je l'ai pas vu. Eh bah tant pis. C'est pas grave. Hop. Tant pis. Bah évidemment, ça monte pas. Boum! Bah écoute, c'est pas la première fois que je foire un truc. Hein. Et c'est sans doute pas la dernière.
Non. Je... Oh. Tombé comme une merde. Je trouve ça assez contre-intuitif de pouvoir rebondir sur des pics. Tu t'attends pas dans un jeu à pouvoir esquiver les trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris sur la gueule? Ah d'accord, c'est elle. Mais bordel de merde. Ça sent quand même pas mal le décès dans l'ensemble. Hein. Putain de merde. Ça le suffit. Mais merde. Bon bah tant pis, j'ai gâché un caillou. Attends, est-ce qu'il réapparaît? Non, bon bah c'est pas grave, allez hop. Ah, elle me casse les couilles, ces chauves-souris, ils sont relous. Tiens, ah, t'as voulu faire la maline là? Eh ben, je t'ai eu. Allez, viens. Hurry up, Grumgold. Time is money. It could be dangerous, McDuck. You go first. Ouais. Ok, d'accord. Merde. Il a cuit d'un coup. Non, mais. Ah l'enfoiré. Ah le gros enfoiré. C'était pas sympa. Ah. Ouais, on est d'accord, hein. C'était traître. C'était très très traître. Ouh, stylé ça. Hurry up, I'm growing old. Just not as old as you. I'm going as fast as I can. C'est des putains de kamikazes en fait là. Y'a rien là, y'a rien. Oh, oh putain, non. Ah, ça va. Ah mais non, du coup, lui, il a disparu. Grrr. On peut dire que tu t'es lavé. Ouais. C'est ça. Du coup, ça donne pas un canard laqué, mais un canard lavé. Tu t'es lavé du mauvais pied.
faster. Hop. Allez, grimpe, espèce de connard. Non, il veut pas. Ah ouais. Non mais moi j'y retourne pas moi. Hop, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Hein? Paye ton skill. Hop, là y'a rien. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là-haut là? Non. Si. Loupé. Allez. Hop. Non. C'est bon. Tac 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 tac. Allez, jackpot. Oh putain, non, un wagon maintenant. Non. J'ai lâché le bouton. Voilà. Non, c'est bon. Ouh, j'ai failli pas l'avoir. Hein. On est en plein temple maudit, mais grave. J'ai pas... Y'a un truc en dessous, là, ou pas? Ou alors, tu vois, est-ce que seul le pénitent peut le passer ou... Ça, j'ai peur que si je saute là, c'est game over et j'ai pas très envie de recommencer là maintenant tout de suite. J'ai aucune idée. Hmm, si vous avez la réponse, je veux bien savoir. Parce que... il y a quand même des gros cailloux. Frankie, tu te rappelles s'il y a quelque chose en dessous ou pas? Ce serait bâtard. Qui a un trou? Ouais. En même temps, c'est un jeu des années 80 à la base, hein, je te rappelle. Donc, voilà. Hein. Tu sais plus? Ah, merde. On tente le saut de la foi? De toute façon, ça paraît tendu quand même. Hein. Go. Bon allez, on est là pour le beau jeu aussi. Ah oui. Merci, 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 merci. Là, voilà. Hop. C'est dommage qu'il puisse pas se retourner pour montrer son cul. Il a osé. Eh oui. Et voilà. Ah merde. J'ai pris un star. Mais j'ai sauté. J'ai sauté. Putain, non. Non, non. Je veux pas recommencer. Mais j'ai sauté. J'ai appuyé sur le bouton. Et il a pas voulu. Salaud.
Chut, ouais, ouais, c'est bon, on l'a fait. Allez, hop. Cinématique, ta gueule, la loose. Ouais, c'est chiant. C'est un peu casse-couille, j'avoue. Je viens pas de passer le bonus à nouveau là. Attends. On est d'accord que j'ai zappé le. Non ? Attends, j'ai un vieux doute là. Genre vieux doute. Ouais, chut, tais-toi. Non, c'est juste. Non, bah ok, c'est bon, je me suis fait niquer avec le. Avec le niveau bonus, hein, c'est tout. Allez, c'est reparti. J'ai que ça à foutre. Tiens. Mais... Non, non. Oula. Oula. J'ai failli sauter dans le vide. Ça n'aurait pas été très rigolo. Moi ça m'aurait pas. Elle me casse tellement les couilles celle-là là les chauves-souris. Salope. Dégage. T'es moche. C'est tellement bâtard d'avoir mis ces ennemis là à cet endroit là. Ok. Hop, ça c'est bon. Allez, c'est le skill de folie. C'est parti. Hop, toi tu crèves. Aïe. Viens là, viens là. Je suis là. Voilà. Voilà. Mais non, putain. Speed.
children and billionaires first. Ok, ça va, on est plutôt avant, on a plutôt avancé vite. Du pognon partout. Boing, boing, boing. Mon petit nom c'est 747. Allez, 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 on y croit cette fois. Saute! Voilà. Get a move on, MacDuck! Age before beauty, plenty. Ça, c'est bon, on se rappelle. Genre, j'ai touché le truc. Voilà. Allez, on se redresse un peu. Oh, il est pas encore. Ça, c'est fait. Ouais, attends, il y a la suite. Hein. Il y a encore plein d'occasions de mourir, je pense. Tu vois, genre avec ça. Oh putain de bordel de merde. Et on peut pas les tuer, c'est génial. C'est génial. J'adore ma vie. Allez. Oh là là. Non ! Mais. Le jeu qui t'en veut, quoi. Allez, c'est parti. C'est parti pour le skill. J'ai dit le skill. J'ai dit le skill, bordel. Je vais encore perdre. Ça va être horrible. Hein ? C'est la bonne, celle-là. Moi je veux de la vie, s'il vous plaît. Je m'en fous de tes diamants, je veux de la vie. Je vais mourir si je descends là. Non, ça va. Putain. J'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Allô le jeu. Je crois que le jeu a planté. Allô. Allô le jeu. On demande le jeu. Ah putain, t'es sérieux? Ah la vache. Attends. Non, pourtant. Attends, attends. Start. Bon, bah, le jeu a planté. Alors.
Et bah, on va le faire un petit. Voilà. Un petit. Ça ferme de manière sauvage. Ça suffit maintenant. Arrête le processus. Voilà. Et on va le relancer. C'est pas grave. Oh, ah non, mais j'avoue, c'est un peu rageant. Juste un peu. Juste un tout petit peu. Chut, chut, chut. Allez. Ah putain, j'avais pas eu droit à ça encore. Ah non, mais grave. Là, c'était pas cool. Allez. Allez, on y va. On y va comme un ouf. Puterie, monsieur l'arbitre. Ouais, il y a faute. Je suis d'accord. Il y a faute, carrément. Il devrait me donner au moins 5 vies, là. Il n'en est que 2. Pas juste. Allez. Bon, maintenant, on le connaît, le jeu. Donc, enfin, on connaît le niveau. Donc, ça devrait aller. Tiens. Allez. C'est parti. Speedrun. Toi, tu crèves. Tout ça, c'est de la faute de Frankie. Trop de vibrations. Ah, c'est quoi aussi cette... Non ? Ah, le fils de pute. Bon, bah, tant pis. Non, mais j'avoue, là, j'ai pas compris, quoi. Pourquoi il a décidé de merder le jeu d'un coup. Non, non, va-t'en. Je ne vous aime pas. Bon, allez, on se concentre. Merde, aou. Ouais, aou, aou, effectivement, ouais, ça, c'est douloureux. Allez. Allez. Là, ici, c'est du tout cuit. On connaît. Ouh, c'était chaud. J'ai eu chaud au cul. Littéralement. Là, cette grosse pute, là. Tiens, dégage. Oh, mais arrête. Ça sert à rien. Mais arrêtez, ça suffit. Arrêtez de me martyriser. Et il a fait le kamikaze. Non, 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 non. Je l'ai pas eu. Ah, ça fait chier la bite, ça. Ça fait chier la bite. Tiens, voilà. C'est parti. Coming through. Onward and upward. Que des ombres. Ouais. Ah, Limbo, c'était cool comme jeu. Limbo, c'était très très cool.
you are. Quit complaining. Inside, ah, je l'ai pas fait non plus. Je l'ai en plus, il me semble que je l'avais chopé. Ouais, je regarde, peut-être que je le ferai en stream, tiens, du coup. Ça pourrait être sympa. Boum, 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 boum. Non, pas ça. Allez. Non, cela je m'en fous. Ça je m'en fous pas. J'ai encore failli crever. Il y a des sauts qui sont tendus des fois. Hein. Little Nightmare, non. Non, j'ai pas, je l'ai pas celui-là. J'ai vu pas mal de gameplay dessus. Je sais pas si je le prendrai un jour. C'est pas forcément le genre de truc qui m'attire le plus. Mais la direction artistique est dingue sur le jeu. Très très glauque. Mais vachement bien fichu. Le jeu est assez beau dans son genre. Ah non, non, merde, putain, c'est vrai, là, ça descend. Ça tombe. Allez. Aïe. Vous faites tout chier, bordel. Yes. Allez. Mais non, il y a un problème là. Sérieux? C'est quoi ton délire? Pourquoi tu veux pas? Non, mais c'est abusé là. C'est abusé. Attends. Il doit y avoir un truc quelque part. Attends, faut que je regarde. Bug. DuckTales. Vésuve. Bug dernier niveau. Aha. Tiens, attends, sur jeuxvideo.com. Ça va, je faisais. Monsieur. Tac. Ce moyen de le refaire, je suis toujours pas arrivé. Ah putain, c'est casse-couille quoi. Parce que là, le jeu il est figé. Hein. Bug dernier niveau. Ah oh, putain. Apparemment c'est souvent qu'il fait ça le jeu. Ah oh, putain. Attends mais. On va le fermer encore une fois la sauvage. Hop. Arrêter le processus. Oui, arrêter le processus. Même si ça me fait chier. Ça te l'a pas fait, ça? Ah, putain. Attends. Attends, on va faire ça. Tac.
Deux secondes. On va regarder parce que bon, ce serait quand même chiant que le. Ouais, je suis sur PC, ouais. DuckTales, Bug, Vesuve, PC. Hop. Serait-il temps de fixer le jeu? Je vais regarder, hein. Cause putain de freeze au dernier niveau. Quand je viens de rentrer dans la pièce au rideau, soit là. En plus, pour quitter, je dois reboot le PC au fur et à mesure de la session. Hop, son père. Ça date pas d'hier. Hop. Voilà la solution. Ah, attends. Finir le jeu avec une astuce. Au niveau Vésuve, avant de rentrer dans la salle du boss, faites pause. Ouvrez votre gestionnaire de tâches. Allez dans le processus. Clic droit, définir en n'y accordant qu'un processeur. Il faudra passer impérativement toutes les cinématiques. Ce sera un problème de processeur? C'est quoi ça? Demande de nouvelles permissions. Ok, bon, on verra ça après. Et si j'essaye? Attends. Je vais essayer peut-être de lancer le jeu. Un gros œuf de Pâques, quand on a fait péter le gros ruban, il y a toujours une surprise. C'est marrant que tu dises ça parce que quand je suis né, en 1987, ouais, et ben c'était le jour de Pâques. Voilà. Je suis né pile poil le jour de Pâques. Je suis venu avec les cloches. C'est pour ça que je suis un peu sonné. Et alors attends, si j'essaye de le lancer en... Il n'y a pas moyen de le lancer... Attends, je vais essayer de chercher dans Steam. Command, DuckTales, est-ce qu'il y a moyen de le lancer en... Comment dire? En compatibilité, tu vois, genre, allez, compatibilité Windows 7, même si je suis sous Windows 7, donc c'est complètement con. Mais appliquer, exécuter ce programme en tant qu'administrateur, on va faire ça pareil. Ok, boum. Du coup, oui, tu lances DuckTales. On retente. Le jour de Pâques. Eh ouais. On va retenter. Ce serait bien qu'on arrive à le finir quand même. Ce serait bien. Hop. Attends, je vais voir aussi. Il y a un truc normalement à faire avec le gestionnaire de tâches où ils disent. Priorité, définir la... Oh, tu te calmes. Bon, c'est pas grave. On va voir déjà si en administrateur ça fait quelque chose. C'est parti. Passer la cinématique. Et puis si vraiment ça foire, bah tant pis, j'essaierai de trouver une solution et je finirai le jeu une autre fois. Même si ça me ferait un peu chier là, j'avoue. J'ai quand même bien envie de le finir ce soir. Hop, toi tu crèves. Allez, boum! Ah mais... Allez, crève. Ah, ça monte pas là. Non!
Bon, c'est pas grave. Crève. Non, mais saute, putain de bordel de merde. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Ah, ça fait la maline là, hein. Ah, c'est vrai que ça grimpe là. J'avais oublié. Non, mais attends. Ouais, faut que je monte quand même. J'ai failli pas monter. Comme un gros gland. Aïe. Oui, ça pique le cul, je sais. Allez. Allez, on y croit. On y croit. Et du coup, les canards rouges là, on... c'est pas des canards tichots, c'est des canards très chauds, non? Plutôt. Quelque chose comme ça, hein. Toi, viens là, voilà. Merde. Bon, tant pis. De toute façon, il est chiant le truc là-bas. À choper. Allez. Toi aussi, tu crèves. Non. Ouais, bah si le jeu veut bien, hein. Moi je veux bien le finir le jeu. On va voir si le mode administrateur change quelque chose, la compatibilité, tout ça. Ah, j'ai failli mourir. Encore. Et toujours. Allez. Allez, on y croit. Aïe. Get a move on, MacDuck. Francky est devenu sage. Arrête, c'est presque une insulte. Merde. Non, mais non, mais non, mais non. D'où il est tombé, quoi. Oh, va te faire foutre. Le jeu m'en veut. Oui, il y a eu un second plantage, ouais. Tout à fait. Apparemment, c'est un truc récurrent du jeu. Donc,
J'ai tenté un truc, je sais pas si ça va fonctionner. Et putain, mais c'est pas vrai. Non, 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 non. Non, j'ai pas envie de recommencer encore et toujours. En boucle. Ah tu vois, là ça va être le moment casse-couille où j'arrive plus à rien. L'instant de vérité, hein, bientôt. Ah, on est presque. Hein. Et puis j'ai plus de vie en plus, c'est horrible. Aïe. Non. Là, vite, allez. Cours. Cours, saute, cours, vol, bondis. Let's go. I'm a busy duck. Washed up I've been first, McDuck. Alors, instant de vérité. Instant de vérité. Croisez les doigts, de pied, tout ce que vous pouvez. Croisez les effluves si vous voulez. C'est parti. On va voir, hein, mais. Non. Non. Non, y a pas moyen. Ah putain, je suis dégoûté. On va s'énerver un peu. Et puis je peux même plus appuyer sur start, rien, que dalle. Que dalle. Non, le jeu il est keblo quoi, c'est. Alors. Arrêtez le processus. Ça fait 3 surnoms en une soirée, un record. La galère avec Lego Batman, ouais. Ouh, merci Black Cube pour le host. Merci, merci. Tu m'inspires. Ah bah, je pense que... Ouais. Salut. Salut, salut, comment ça va? Ça a été ton live, Black Cube? Putain de merde, quoi. A priori, c'est pas ça. Pas mal de sel. Ah bah moi, je suis en train de me saler aussi. Là, j'ai DuckTales qui veut pas fonctionner. Il arrête pas de merder là. Il bug quoi qu'il arrive. DuckTales, Vésuve, PC. Ça avance, on est mort. 50 morts faciles par stream. Eh ben. Ouais, non, c'est chiant. Trois fois là. Trois fois d'affilée. Et j'arrive pas à savoir comment. Comment fixer le truc, quoi. Tiens, sur Steam. Est-ce qu'ils disent un truc? DuckTales. Hop. Tac, can adjust, machin. Fais voir. Si vous trouvez, je vais devoir me pioter. Ouais, pas de soucis. Pas de problème, Castelmark. Il n'y a pas de problème. Après, data, locate.
Non, ça je m'en fous. Moi je veux savoir pourquoi le dernier niveau il plante. Je veux juste régler ça. Si jamais vous avez déjà été confronté au truc et que vous connaissez la solution, balancez. Parce que là. Hop. Ah, bordel de merde. C'est chiant. C'est très très chiant. Hop. Non, c'est Steam. DuckTales Remaster, il est sur Steam. J'ai essayé de le mettre en compatibilité. J'ai essayé de le mettre en administrateur. Pas moyen. Pas moyen. Après, il y a peut-être un truc qui dise. Attends. Cette dernière accession là. Deux fois de suite, jamais moins, ça pouvait se résoudre. Possible de finir avec une astuce au niveau avant de rentrer dans la salle du boss. Ouais, voilà. N'y accordant qu'un processeur. Ça marche pas, limite le freeze vient bien après. Passer de suite la cinématique, mais si vous êtes tenté de là, si vous changez de lieu, et oui. Ok, alors a priori il y aurait une solution. 4-5 heures quand même, on reste jusqu'à ce que tu trouves la solution. Toi t'as eu aucun souci. Remake de Camille, ouais. Là, a priori, il y a une solution où faut jouer avec les processus du jeu. Mais ça veut dire passer toutes les cinématiques. Voilà, si tu laisses les cinématiques, le jeu y plantera. C'est chiant. C'est très très chiant. Frankie déprime, mais j'ai appelé son psychologue. Ouais, bah. Mais j'avoue, ça m'emmerde un peu d'avoir à passer les cinématiques, quoi. Comment je pourrais faire? Attends. Bug de fin. J'ai les cinématiques, machin. Redémarrage, pour y retourner. Il est possible. Ouais, non, a priori, la seule solution, c'est de passer les cinématiques. Un master dit 1 an et demi et lock à 30 FPS. Tu charges la sauvegarde. Zéro patch depuis. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est très très chiant. C'est très 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 chiant. Ah putain. C'est très la casse-couillitude. Ouais, en plus ils te vendent ces trucs-là super cher quoi. Enfin super cher. 20-30 balles pour un jeu, ça va, c'est deux fois moins cher qu'un prix neuf, mais bon, ça reste quand même casse-couille quoi. PC. Attends, freeze. Sur 8 et 16 bits, on en manquait de cinématiques, donc là on veut plus s'en priver, mais grave. Tout le monde s'en fiche. Ouais, non, non, mais le PC, des fois sur PC, c'est limite la communauté qui finit les jeux à la place des développeurs, quoi. C'est affligeant, quoi. Freeze. Attends, sur Steam, il y a l'air d'y avoir peut-être. Who is this? Can beat the final boss. Have to force close it up. Our friend can't finish the game. Hop, send me an email. You can try to affect only one processor. Hop. Is only the last one switched on. Freezing for. Attends. This thread. You have to. Hop.
Attendez, j'ai peut-être de bonne chance pour le devoir. Ça marche, Castelmark. Merci d'être venu. Ah, j'ai peut-être une soluce. Attends. Plein, get to the bassin. Hop. Yes. Attends. Où est le patch update? Bam, ta ta ta. Sur, bah, j'en sais rien. Non, justement, je suis en train de lire. Ah, ça parle de Konami aussi. Ça parle de plein de trucs. Attends, c'est le problème. Où est Dracula? Même dans les postes, Salsa. De curtain, machin. Bon. Je vais essayer. I'm the last day, no setting to change. Same freezing. Ah, attends. Ah, attends, il y a peut-être un truc là. Si oui, je reste peut-être encore un peu. Je vous avoir... Désolé, je vous abandonne 2 secondes, mais je suis en train de lire. Ça avec les cartes graphiques Nvidia. J'avais le même sur un, j'ai changé les graphiques. Play the game from Nvidia to the Intel card and it worked. Mais j'ai pas de carte graphique intégrée moi. Espèce de trou du cul. Attends, c'est because mais le passe à a few settings on a... Ah, attends. Une solution qui daterait. Ça marche, Black Cube. Merci d'être passé, merci pour le host. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, nanana, freeze, for the here's the steps. Alors, attends. Et note, activer, check the process. Hop, installation, locate. C'est chiant. Non, c'est beaucoup trop long. Bon. Je vais essayer un dernier truc. Je vais essayer ce qu'il disait là sur de changer les processus. Je vais essayer ça un dernier coup. Et puis si vraiment ça marche pas, et bah tant pis. Tant pis. On finira pas DuckTales. Donc. Allez, dernier test. The last one. On va essayer d'aller vite. Chut, tais-toi, 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 tais-toi. Allez, continue, dépêche. Chargement. Mais bon, c'est quand même casse-couille, quoi. Parce qu'on pourrait l'avoir déjà fini le jeu, quoi. Hein? Bon, je veux dire. Chut. Passer la cinématique. Par contre, si la solution elle fonctionne, bah, on n'aura pas les cinématiques de fin, quoi. Tant pis. J'ai envie de dire, tant pis. Allez. J'ai envie de dire, on speedrun, hein. On s'en fout des diamants, on s'en fout de tout. Je trace. Hop. Tracé comme un gros sac. Il y a toujours YouTube. Ouais, voilà, c'est vraiment. On va quand même juste éviter les connasses là. Au pire, on regardera la. On ira voir les trucs sur YouTube. Ouais. Et puis,
tant pis. Allez. Allez, on est chaud. Ouf, c'était chaud de la bite. Pardon, pardon. On va en choper quelques-uns de temps en temps. Allez, trace. Putain, je fais ça comme un gros sale, quoi. Aïe. Et en plus, je vais crever. Attends, il n'y avait pas un gâteau là-dedans? Parce que quand même... Non. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. Hop, hop. On va au moins aller choper ça là-bas. C'est toujours ça. Voilà, un petit gâteau. Allez. On va essayer de pas mourir dans les trains aussi, ce serait pas mal. Voilà. Non, évidemment, je l'ai pris sur la gueule, sinon c'est pas drôle. Ok, donc là, normalement. Le truc à faire, c'est ouvrir le gestionnaire de tâches, si j'ai bien compris. Alors, il y a un truc avec les processus. Alors, DuckTales, il est là. Définir. Impossible de lire ou définir l'affinité du processus. Voulez-vous... Je peux pas faire ça. Attends. Attends. Qu'est-ce que ça disait, la soluce, là? Bug dernier niveau. Il est possible de finir le jeu, donc faites pause, clique droit dessus, définir les affinités. Bah oui, mais quand je veux définir les affinités, ça ne veut pas. Je peux pas définir les affinités du truc. Il est pas d'accord. Il me dit accès refusé. Donc bah je pense que ça va être un échec. Je vais pas pouvoir.
suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oui, arrêtez le processus. Bon, bah... tant pis. Tant pis, tant pis. Là, ça me casse bien les couilles. Franchement, ça me casse très très fort les couilles. Parce que j'aurais bien voulu le terminer quand même. Mais bon, le jeu a décidé que non. Hein, donc, et ben, je vais m'arrêter là du coup. Ça m'a actuellement 4 personnes dans le stream. Ouais, bah ouais. Mais bon, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Parce qu'on est à la fin, quoi. C'est le boss de fin. Après, le jeu, il était fini. Et puis, ça veut pas, quoi. Donc bon. C'est un peu casse-couille. Même complètement casse-couille, en fait. Mais c'est pas grave. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être éventuellement se... Non, je vais même pas mettre la fin, tu vois. Je vais pas regarder la vidéo de fin. Ce serait très long ou pas? Attends. Que je regarde. Duck Tales Remastered. Vesuvius. Est-ce que c'est très très long comme truc? Chut, tais-toi. La prochaine fois, bah, ou sinon, ouais, ce que je peux essayer de faire. Ah ouais, il y a quand même pas mal de trucs en plus. Oh. Ouais, non, on va pas regarder la vidéo parce que ça dure longtemps. Donc, ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est essayer de trouver une solution. Je vais essayer de bidouiller de mon côté pour faire fonctionner le jeu. Et si je trouve, et ben on se fera la fin du jeu. Voilà, c'est une promesse que je vous fais. Non mais sérieux, j'ai envie de le finir le jeu, ça m'emmerde quoi. Mais bon, là visiblement il a pas envie d'être fini, donc voilà. Mais donc je vais chercher une solution et si je la trouve, on finira le jeu. Voilà. Donc c'est tout pour ce soir. Hein. On va s'arrêter là pour le coup. Le prochain stream ce sera donc vendredi et là on continuera Crash Bandicoot. Voilà, on a fini le 1, on a commencé le 2, peut-être qu'on va terminer le 2 et qu'on va commencer le 3, je ne sais pas, on verra. Mais ouais, vendredi Crash Bandicoot 21h30 ici même, ça marche. Et ouais, mais ouais, c'est dommage, ouais Francky, je suis d'accord, ça m'agace. Mais voilà, donc après, bah voilà, comme d'hab, hein, si bon, vous êtes là, vous me suivez déjà, mais si jamais vous me regardez dans le futur sur la VOD, bah n'hésitez pas à suivre la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, Twitter, Facebook. Voilà, il y a la chaîne YouTube avec les VOD. Vous trouvez tout dans les liens, dans les bannières en dessous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Et ben les copains, je vais vous faire des bécos, des léchouilles sur chaque fesse, et je vais vous dire à vendredi pour ceux qui seront là. Hein. Moi je serai là, forcément. Et puis bonne Inuit et merci d'être venu. C'était sympa, même si ça a fini en caca. Bah, tant pis. Allez, ciao.